Les statistiques, je vous entends. Oh, ça va être plate, ça va être plate. Ça va peut-être être plate, mais il n'y aura pas de statistiques. Donc, euh, je ne vais pas vous parler de statistiques. Je vais peut-être en inventer une ou deux tout à l'heure. Ça dépend comment je me sens. Euh, mais il n'y aura pas de statistiques. Et puis, moi-même, je ne suis pas du tout statisticien. Et puis, j'ai une, une petite confidence à vous faire. Je coulais tous mes cours de maths euh, au secondaire. Je suis vraiment nul en statistiques. Par contre, la manière dont j'approche les statistiques, c'est en tant que sociologue. Un peu comme un anthropologue qui va voir une. Euh, une tribu euh, exotique et qui euh, l'observe c'est ce que je fais avec les statisticiens je les observe euh, fonctionner je les observe euh, parler de ce qu'ils font je les observe également interagir et je les observe transformer la société et ce qu'il s'agit ce dont il s'agit ici c'est de voir comment les statistiques participent à la transformation euh, du monde actuellement en particulier les statistiques euh, pour le développement euh, qui sont produites dans les pays que l'on dit en vos développements, les pays du Sud, les pays du Tiers-Monde. Alors, ce que, ce que je vous propose, ce n'est pas du tout de transformer votre vie, il n'y aura pas d'idée pour transformer votre vie, je ne vais pas vous coacher, euh, ça ne va probablement euh, euh, pas changer nécessairement votre vision du monde, mais je voudrais vous sensibiliser à un des angles, à un des aspects du monde qui est actuellement en transformation. Vous vous êtes sans doute rendu compte que euh, les États-Unis ne sont plus la puissance qu'elles étaient, que la Chine est émergente, que le Brésil commence à jouer un rôle. Ce que vous ne regardez les statistiques pour le développement, c'est d'une une certaine manière regarder les transformations du monde actuel, les transformations de l à l'échelle planétaire. Alors, euh, il va être question euh, des statistiques pour le développement. Les statistiques pour le développement, celles dont je vais vous parler avant tout aujourd'hui, sont les statistiques liées à l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, la lutte à la pauvreté. Et ces statistiques pour le développement, traditionnellement, sont produites par des enquêtes, des recensements et des données administratives, comme par exemple les inscriptions à l'école, les inscriptions dans les hôpitaux. Comme on va voir, cette, 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 cette tradition de générer des statistiques à partir de l'État, du gouvernement est occupée à changer. Les statistiques sont politiques. Donc dans, mon, dans ma vision, j'envisage les statistiques comme politiques. Ça ne veut pas dire uniquement que les statistiques sont le résultat, par exemple, des gouvernements ou sont le résultat de l'influence des partis politiques ou des, ou des, ou des, ou des, des hommes et des femmes politiques. Certes, il y a ça, mais de dire que les statistiques sont politiques, c'est de reconnaître que les statistiques sont le résultat de différentes discussions, de polémiques, des fois des discussions scientifiques, des fois des polémiques euh, politiques. Et que les statistiques, finalement, interpellent, si l'on regarde euh, les statistiques d'un point de vue politique, elles interpellent la question de la répartition des richesses, la question de la distribution des ressources, mais également aussi la question des formes de gouvernance, des, des, des formes de distribution du pouvoir. Alors, en ce sens-là, j'envisage les statistiques comme étant politiques. Et euh, on a tendance à, à, à voir en sciences sociales la politique comme étant le Parlement, le Sénat, euh, les, 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 les élections. Les élections s'en viennent, alors on voit ça comme quelque chose de politique. Ce que je veux vous faire euh, prendre conscience, c'est qu'il y a de la politique également dans la bureaucratie, dans la technocratie. Il y a de la politique qui se passe à un niveau que, qui ne vous apparaît pas nécessairement euh, directement, mais c'est euh, un niveau politique qui sert à redéfinir le monde, qui a comme objectif de, 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 de transformer les politiques publiques qui vont avoir un impact sur le monde en développement. Bon, ça c'est ma spécialité, mais également, euh, bien sûr, euh, ici au Canada. Alors, les statistiques ont un rapport particulier avec la réalité. Souvent, on dit que la réalité existe à partir du moment où elle est nommée, à partir du moment où elle est mesurée. Alors, il y a dans les statistiques, et c'est ça que je vais tenter de montrer, il y a différentes réalités qui s'affrontent. Et les statistiques sont une présentation de la réalité. Des réalités qui sont des fois biaisées, des réalités qui sont des fois un peu fausses, ou des réalités qui sont simplement biaisées parce que ce sont mal mesurées, ou des fois il y des mauvaises intentions. La réalité existe. Par les statistiques, à partir du moment où les statistiques euh, établissent qu'il y a une problématique sociale, par exemple, une problématique économique. Donc, les statistiques ont un rapport avec la réalité qui est assez particulier. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce que la réalité, en fait, il faut voir la réalité comme un ensemble de réalités qui s'affrontent, un ensemble de réalités qui existent en même temps. Et ce que je vais vous montrer euh, euh, tout de suite, c'est que le monde en développement, les pays du Sud, les pays du tiers-monde, proposent une notre réalité propose, s'affronte à l'échelle planétaire, entre autres par les statistiques pour le développement, en proposant une autre vision de ce qu'est leur réalité. Et on a par les statistiques finalement un affrontement entre des visions des mondes, un affrontement entre des réalités. Là, euh, le, le système actuel qui produit les statistiques... Est un système qui est avant tout dominé par des institutions qui envisagent le développement comme étant quelque, quelque chose qui est lié à la croissance économique et au capitalisme. Ces institutions sont également dominées avant tout par les pays que l'on dit, les pays d'Europe, euh, d'Amérique du Nord, qui déterminent comment on mesure la réalité et donc qui déterminent quel est la, le. Quel est Comment fonctionne le monde Leur vision du monde est imposée sur le monde, et cette vision du monde a un impact sur les politiques publiques, un impact sur qu'est-ce qu'on fait pour transformer le monde. Et en ce sens-là, euh, il y a, il monte actuellement, il y a, il y a, il y a une gronde qui monte actuellement que je constate de la part des pays euh, que l'on dit des pays du Sud, du tiers monde, qui veulent contester ce que l'on appelle l'hégémonie des euh, grandes organisations qui sont avant tout euh, euh, orienté autour des préoccupations euh, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et avant tout orienté autour de préoccupations de croissance économique et de capitalisme. Alors, j'ai identifié euh, trois points tournants, qui sont en fait des petits points tournants à l'intérieur d'un plus gros point tournant, qui n'est pas nécessairement une révolution, mais qui est quelque chose, un, un changement, une transformation qui est plutôt lente, qui va prendre un grand nombre d'années, mais qui, euh, euh, au cours des prochaines années, vous allez voir transformer le monde autour de la question de... Euh, Qu'est-ce que l'on veut, euh, comment on veut que le monde aille, autour de la question de comment on définit le développement. Et avec la Chine, le Brésil, l'Inde, euh, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Mexique, qui vont prendre un rôle de plus en plus, en plus important au point de vue international, euh, ces pays vont transformer la manière dont on envisage le développement, dont on envisage, dont on souhaite certains éléments du développement. Alors ça, c'est le plus gros point tournant. Et à l'intérieur, j'ai identifié trois points tournants ou trois pratiques qui sont des pratiques qui me font dire qu'il y a, au point de vue des statistiques sociales, une transformation et qui va dans le sens de cette transformation euh, plus générale. Alors le premier point tournant, c'est celui des données de masse, des données massives. Alors vous le connaissez euh, probablement, si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement euh, déjà une idée de ce que c'est que les données de masse. Euh, ce sont les données qui sont collectées au quotidien directement euh, du fait de l'utilisation de ressources numériques. Avant tout du téléphone mobile et euh, également des données Internet. Par exemple, on fait une recherche sur Internet, euh, on collecte grâce à ça l'adresse IP, on collecte l'or, l'objet le, 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 de la recherche, l'utilisation du téléphone est lié donc il y a un ensemble de données des métadonnées on l'a dit euh, autour de l'appel que l'on fait euh, qui est proche on connaît la borne duquel on a fait l'appel euh, on a beaucoup de données qui sont accumulées mais qui sont très peu utilisées et ces données sont euh, produites euh, par des, euh, des utilisations euh, d'objets de, qui appartiennent à des entreprises privées. Et pour les gouvernements des pays du Sud, c'est très intéressant parce que les données sont produites en direct et il n'y a pas de coût pour la production, il y a juste un coût pour l'analyse des données, ce qui est vraiment vraiment différent de précédemment, en fait qui fonctionne encore actuellement, mais quand on fait un recensement, ça coûte des millions de dollars. Alors que pour les pays du sud qui sont euh, moins riches, on peut avoir des données qui permettent d'avoir des réflexions autour de la question de santé, de la question d'éducation, la question des épidémies et ce sont des données qui apparaissent en temps direct, ce sont des données qui apparaissent euh, euh, très facilement une fois qu'elles sont rendues disponibles par les entreprises privées. Alors un exemple que je peux vous donner, que j'aimerais vous euh, partager avec vous, de, 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 de l'importance de ces données de masse pour la question des statistiques, pour le développement, des politiques publiques, ici dans le cas des politiques publiques en santé, est celle de euh, Google Flu Trends. Google Flu Trends euh, permet euh, Google et a permis permet d'établir euh, très rapidement, des fois même deux semaines ou une semaine avant. Les différents ministères de la santé, l'émergence d'une épidémie de, de grippe, en, grâce aux recherches que l'on fait. On recherche des symptômes, ou on recherche des médicaments, de la posologie, etc. Et ça permet très facilement de savoir, grâce à la localisation, où se trouve une épidémie de grippe. Alors, pour, euh, dans le cas par exemple de l'Afrique, c'est très intéressant parce que ça permet euh, d'agir euh, très rapidement, de voir les effets. De, des politiques mises en place et de savoir où il faudrait agir. Alors, en Afrique, il y a euh, une utilisation de Google Flu Trends autour de la problématique du dengue. Le dengue, euh, qui est une, 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 une maladie infectieuse qu'on attrape par le moustique, et en, en, en utilisant la technologie de Google Trends, on est capable d'établir où se trouve une épidémie de dengue, probablement à côté de, là, de la jungle tropicale, et on, ça la permet d'avoir. Euh, très rapidement euh, une, une, une action, ce qui permet finalement de, de, de fonctionner en direct plutôt qu'à l'aveugle en utilisant des données qui prennent des semaines et des semaines à, 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 à permettre à travers euh, le, le, le système, le système euh, euh, complexe euh, du gouvernement. Alors ça c'est un premier exemple. Un deuxième point tournant que je vois arriver, c'est celui de l'activisme statistique. Alors l'activisme statistique, c'est... Euh, c'est une, euh, une pratique qui, qui est portée par des communautés. Les communautés déterminent quels sont leurs besoins de mesure et les mettent en place. Euh, ce qui est vraiment très différent du monopole de l'État. Donc, on a vu avec euh, Google Flu Trends, c'est une compagnie privée. Qui donc remet en cause le monopole de l'État. Et ici, avec euh, l'activisme statistique, c'est une pratique communautaire qui remet également en cause le, 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 le monopole de l'État. L'activisme statistique permet, euh, dans le cas par exemple, ici, du Community-Based Monitoring System, qui est un, une, 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 un projet qui existe aux Philippines, on a envoyé, euh, euh, en fait, les communautés. Euh, de, de certaines, de certaines de certains euh, villages, de certains quartiers aux Philippines ont tâché de mesurer des dimensions qui sont liées à la pauvreté, des dimensions socio-économiques. Elles ont créé elles-mêmes leurs cartes, et ces cartes ont permis d'évaluer des dimensions qui n'étaient pas des dimensions qui intéressaient nécessairement le gouvernement, et qui a permis de mesurer, en fonction des intérêts de la communauté, de mesurer... Euh, différents euh, éléments et d'agir d'une manière qui n'aurait pas été euh, portée nécessairement par le gouvernement. Un troisième euh, point tournant euh, important qui me semble euh, exister est celui de euh, ce que j'appelle des regroupements antigémoniques. Les regroupements antigémoniques sont des regroupements de avant tout de pays, de gouvernements, qui s'assemblent entre eux pour des raisons euh, euh, des fois idéologiques pour des raisons de trajectoire économique euh, similaire pour également pour des questions euh, culturelles j'aimerais vous donner euh, deux exemples euh, de euh, des pays du brics et de l'organisation de coopération islamique alors, les pays du BRICS, vous les connaissez peut-être, je les ai mentionnés tout à l'heure, BRICS est un acronyme pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et ces pays ont décidé de s'allier et de créer une propre standardisation de leurs statistiques sociales, qui est liée donc à leur politique et qui reflète leurs préoccupations. Des préoccupations qui sont différentes de celles de la Banque mondiale, différentes de celles des agences euh, des Nations unies, et des préoccupations qui, eux, leur semblent centrales, qui, eux, leur semblent communes et qui reflètent leur vision du monde, leur réalité à eux. L'organisation de coopération islamique a une commission statistique qui, d'une manière un peu, euh, comment dire, un peu tiède, dit oui, les organisations internationales ont établi des standards, c'est intéressant, mais, et donc c'est là dans le mais, qu il faut être, qu'il faut ouvrir son esprit, et ils disent, mais dans les statistiques euh, internationales comparatives, il y a plein d'éléments qui nous intéressent, nous, en tant que pays islamique, qui n'apparaissent qui pas. Comme par exemple, des questions autour des pratiques alimentaires, des questions autour de la finance islamique, euh, des prêts, de la solvabilité juridique. Et donc, il y a des éléments qui ne sont pas mesurés dans les grandes enquêtes qui sont imposées par les agences internationales, que les pays de, ces, de, ces, de l'Organisation de coopération islamique tentent de mettre de l'avant. Donc, ceci, ce sont... Euh, trois points, euh, les trois points que l'on vient de voir sont des points, à mon avis, tournants, des points qui ne sont pas totalement réalisés, des points qui vont probablement euh, redéfinir la manière dont on pense le développement à l'échelle internationale, et qui vont très certainement redéfinir les politiques, et qui sont euh, à mettre en relation avec la contestation, avec la gronde, la, 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 la grogne qui monte. Euh, à, à l'égard de l'hégémonie des organisations internationales. Alors évidemment, ce n'est pas exempt de problème. On l'a évoqué. Le, le, les, les, les données de masse euh, posent des questions autour de la, de, la, de, de, de la vie privée, autour de la confidentialité des données. Évidemment, quand on fait appel à des données de masse, on fait souvent appel à des téléopérateurs, des compagnies privées qui ont des intérêts capitalistes. Quand on fait appel à des communautés, les communautés ont peut-être quelque chose à dire sur leur communauté, mais les modèles ont des fois de la misère à être exportés. Et puis, quand on parle d'organisations anti-hégémoniques, on fait de nouveau appel à, finalement, des organisations anti-hégémoniques qui veulent peut-être créer leur propre hégémonie. Donc, ce n'est pas exempt de problème. Mais ce qui me semble très intéressant là-dedans, c'est de voir comment, à partir des statistiques sociales, est occupé à se mettre en œuvre un monde qui est différent du monde que l'on connaît, un monde qui est différent du monde du XXe siècle, qui est un monde dans lequel euh, la, 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 les aspects plus techniques, bureaucratiques, sont appelés à jouer un rôle. Entre autres, la question de la statistique euh, me semble jouer un rôle euh, central. Cependant, je voudrais euh, quand même, en terminant, vous dire que... Si les statistiques, euh, s'il y a un combat entre les statistiques, et un combat entre les divisions du monde, il reste que la vision du monde qui est proposée par les statistiques sociales est une vision du monde qui appartient, d'une manière générale, à notre vision du monde, euh, d'une manière très très générale qui est rationnel, qui utilise la science pour décider comment on fait les politiques, qui euh, veut une transparence, qui fonctionne sur, euh, sur le, le, le mode de la discussion, euh, qui ne remet pas en cause euh, le capitalisme industriel d une, d une, d une, dans une grande mesure. Donc, faisons attention, euh, les, le, le potentiel des points tournants que je vous présente pour les statistiques sociales ne remet pas en cause d'une manière générale le fonctionnement de nos sociétés. On va juste assister à des petits combats, à des remises en question de différents aspects, mais il reste que, fondamentalement, ça ne va pas transformer le monde. On ne va pas voir apparaître... Dans 10 ans, dans 15 ans, un monde qui est anti-industriel, anti-capitaliste, un monde qui est contre le, 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 le fonctionnement des, euh, des partis politiques qui nous imposent notre vision du monde. Donc, faisons attention, les statistiques restent dans ce, ce qu'on appelle ce paradigme qui euh, fait en sorte que c'est souhaitable d'être observé, c'est souhaitable d'être mesuré, c'est souhaitable d'être une statistique. Et ce que je veux faire, moi, c'est bien sûr d'analyser ça il, il vous appartient à vous de décider dans quel monde vous voulez vivre si vous voulez contester la manière dont les statistiques sont mesurées c'est très bien mais si vous voulez contester le fait qu'on soit mesuré c'est encore mieux je vous remercie beaucoup